belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. Bienvenue dans ces épisodes spécial été du podcast Les Enfants Vont Bien. Voici venu le temps de l'été et avec le temps de la pause pour moi. Mais je n'ai pas eu envie de vous laisser 2 mois sans contenu, alors j'ai eu cette idée. Encore une idée de salle de bain, me direz-vous. Au lieu de réflexion pour moi, à moins que ce ne soit le seul où j'arrive à ne pas avoir un ou plusieurs enfants avec moi. J'avais envie de vous partager encore plus de positifs sous un format un peu différent. Cette fois, c'est vous qui faites le job. Moi, je ne fais que le mettre en forme. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce format spécial été du podcast Les Enfants Vont Bien. Des épisodes feel good, très courts, qui rassurent sur l'ouverture de notre société et l'avenir de nos familles. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Constance, salut les auditeurs, c'est Anna, Pauline et Arsénie, la famille franco-russe de l'épisode 22 de la saison 2. Constance, tu as récemment lancé à tes auditeurs un challenge pour l'intersaison. Te faire remonter des histoires positives et bienveillantes autour de nos familles. Nous avons décidé de nous prêter au jeu autour d'un moment touchant qui nous habite encore aujourd'hui. Et puisque nous avons le goût du défi, je vais interviewer Anna et essayer de faire comme toi. Anna, raconte-nous cette histoire que tu souhaites partager aux auditeurs du podcast « Les enfants vont bien ». Ça se passe à la maternité, c'est bien ça ? Oui, ça se passe à la maternité et c'est l'histoire de ma césarienne d'urgence. Donc c'est un scénario que j'avais pas du tout prévu à la base pour te dire, toi tu le sais, pas les auditeurs, on allait partir à la plage juste la veille, j'avais mis ma crème solaire et tout, donc j'étais pas du tout préparée à ce que ça se passe si vite et de cette manière. Et j'étais très stressée parce que rien que les piqûres, ça me stresse. Alors tu imagines une césarienne. Et donc t'as cette césarienne d'urgence et donc c'est moi qui accueille Arsénie. Et là, tu fais une rencontre particulière, c'est Martine, la sage-femme. Oui, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée et je remercie encore aujourd'hui Martine pour ce qu'elle a fait. En fait, donc j'étais partie dans la salle de réveil pour après l'opération. J'ai pu juste faire un petit bisou à Arsénie, mais je l'ai pas beaucoup vue. D'un côté, j'étais rassurée parce que je savais que c'était toi et que ça allait bien se passer. Mais de l'autre côté, dans le protocole, tu passes 2 heures dans cette salle. Pour moi, c'était les 2 heures les plus longues de ma vie. Je regardais l'aiguille de la montre sur le mur. J'avais l'impression que ça bougeait pas. J'ai essayé de m'endormir pour que ça passe plus vite, mais ça marchait pas non plus. Et donc c'était très douloureux pour moi cette attente. Et donc la sage-femme Martine, elle est arrivée et elle m'a proposé exceptionnellement parce que c'était un jour férié, une césarienne d'urgence et que j'étais toute seule dans la salle de réveil. Elle m'a proposé de me ramener Arsénie pour le mettre au sein, parce qu'elle savait que j'allais allaiter, on en avait parlé avant. Et donc, en faisant ça, elle n'a pas tout à fait respecté le protocole médical, on va dire. Et pourquoi ce moment, il est hyper important pour toi ? Pourquoi c'est cette histoire que tu as choisie ? Pour moi, ce moment, c'était très important dans ma relation d'Arsénie et dans ma vision des premières minutes et premières secondes de vie d'un bébé. Pour moi, c'est très très important d'avoir ce lien pour que le bébé il puisse être pris dans les bras. Et donc, ça me rendait vraiment malade de pas pouvoir le faire. Donc, ce geste. Pour moi, c'était ce qu'elle a fait, c'était vraiment plein d'humanité et c'était pour moi très important aussi pour la suite de l'allaitement. Oui, parce que ce que tu dis pas, c'est quand même que tu as allaité Arsénie pendant 18 mois. Oui, c'est vrai. À la russe. Et pourquoi, je pense que c'est intéressant que je te pose cette question-là,
Pourquoi pendant cette échange avec Martine et puis l'histoire que tu nous racontes, t'as senti que on était une famille comme les autres? Bah moi j'ai senti qu'on était une famille comme les autres parce que je pense qu'il l'aurait fait pour n'importe quelle autre famille. Elle l'a fait je crois par conviction qui devait être proche de la mienne, mais je pense pas que ça avait un lien avec le fait qu'on soit un couple de femmes. C'était plus par rapport aux circonstances, à la césarienne d'urgence, à la voilà, elle a peut-être vu mon état. Donc c'était un geste très bienveillant. Voilà, Constance et les auditeurs, la petite histoire qu'on avait envie de partager avec vous. À bientôt. Je crois que là, on est sur du feel good en bar. J'espère que ça vous aura mis la banane. Si vous avez envie de participer pour cette session d'été, c'est encore possible. Je peux publier plus fréquemment, sans souci. Pour cela, vous pouvez m'envoyer une note vocale sur mon email lesenfantsvontbien@gmail.com. Et j'ai même envie de vous proposer de me laisser régulièrement ces notes vocales tout au long de l'année et j'en publierai régulièrement. Je vous rappelle donc le format. Une petite note vocale avec votre téléphone, sûrement sur la fonction dictaphone, de 5 minutes où vous me racontez un ou plusieurs moments qui vous ont surpris par leur côté feel good. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et de tous les autres aussi sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontbienpodcast. Et si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Je viens de constater que j'avais 181 notes sur Apple Podcast et une note générale de 5 étoiles. C'est tellement galvanisant de voir que vous adhérez à mon travail. Je ne vous dis même pas l'effet des commentaires et des MP que vous me laissez. Merci à vous, vous êtes une communauté en or. Je vous souhaite un très bel été, en ma compagnie notamment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial été feel good du podcast Les Enfants. Living in the moment.